ce qui concerne notre pays, le Congo, nous considérons que jeune, c'est celui-là dont l'âge est compris entre 0 et 35 ans. Quelle est l'importance de la jeunesse dans un pays comme le nôtre? C'est pour cela que nous voyons des pays comme la Chine, l'Inde, sont devenus autosuffisants grâce à leur jeunesse dynamique. Et les définitions sont parties depuis l'Union africaine, depuis l'ONU et au niveau de notre pays, comment on définit le jeune. Et vous avez dit également la place qui est la vôtre en tant que jeune pour notre pays. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est donc participer à l'action du gouvernement, donc au développement de notre pays. C'est votre action qui compte. La première rubrique dont on venait de faire l'exposé tout de suite, c'est quand même avec un sentiment d'amertume que je reçois ça. Mais voilà pourquoi j'ai commencé par cette citation de Montaigne qui disait que vous avez des têtes bien faites. Donc je sais que vous êtes tellement intelligent au point où vous n'avez plus besoin de noter. Et donc ce que je veux dire aussi, inutile de noter, mais vous. Vos têtes emmagasinent tout, c'est ce que ça veut dire. Un livre qui s'intitule « Le mangue, le fleuve et la souris ». Vous connaissez bien ce grand écrivain. Qui peut le connaître? Qui peut le citer? Voilà, la tête bien faite. Alors c'est qui? Parle à haute voix, celui qui est au fond. Ce livre a été écrit par son excellence, monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Bravo pour lui. Est essentiel que nous apprenions à nos enfants ce que c'est la République. Ce qu'est la République. Son mode de fonctionnement, ses principes démocratiques des élèves, de nos enfants, que vous êtes. Il est mieux que vous respectez la République. Que vous raison. On
puissance de Dieu est sortie parce qu'il y en a qui sont très loin. Je fais ça devant moi comme ça. Vous voyez que ce drapeau-là, du point de vue de la longueur, mesure 1,80 m. Du point de vue de la largeur, c'est 1,20 m. Et la bande jaune qui passe au milieu fait 0,60 m. C'est-à-dire, il y a un pays qui est venu à bâtir la guerre et donc nous, nous sommes venus de ce pays-là. Donc, quand vous montez le couleur, il faut toujours regarder attention à ce drapeau-là. Il faut veiller à ça. La bande jaune, même si le vert est par là, quand la bande jaune commence à faire le sens contraire, ce n'est plus le drapeau du Congo. Le drapeau du Congo, au contraire, la bande jaune commence là, et puis c'est ce qui se passe. Alors, on découvre, vous voyez comment ça se fait. Attention, c'est une notion simple, mais très très grave. Il faut donc retenir ça comme ça. Alors, nous avons donc trois couleurs dans ce drapeau-là. Je sais que vous le savez. Deuxième symbole, c'est la devise. Qui connaît la devise du Congo? C'est ça la devise. Ce sont aussi les valeurs que le Congo défend. Le Congo défend, les Congolais se sont concernés. C'est donc notre chanson de fierté. Donc, c'est par cette chanson-là que tout Congolais, là où il se trouve, se met en extase. Parce que il se retrouve dans sa peau. Comme lorsque je vous écoute là, dans la rue, vous connaissez beaucoup plus chanter des chansons de Fali. L'hymne national, c'est la première chanson à connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez quand même, hein? Voilà. C'est une dame qui est assise là. Elle est assise sur un tabouret traditionnel. Et elle tient quoi? Elle tient une table, une tablette là, où c'est écrit la devise du Congo. Donc, elle souligne ça par son doigt. Elle souligne par son doigt. Unité, travail, progrès. Et elle-même, elle est coiffée beaucoup d'oreilles. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas comme vous allez voir. Vous allez voir ici. Ne voyez pas là où il y a le chignon. Parce qu'il y a souvent une déformation comme ça là. On a mis des parfois comme ça là, avec le chignon, avec les pieds parfois allongés. Ça, ce n'est pas le saut de la République. Le saut, c'est ça. Mais pour que ça soit saut, le saut là, pourquoi on parle de saut? Le saut ici, c'est tout simplement le motif qu'on met dans chaque ligne. Est-ce que vous comprenez? C'est le cachet. Donc, ça n'a de valeur. Pour ceux qui ont été à Brazzaville, ont peut-être vu vers le rond-point de la coupole. Il y avait ceci. Il y a ça là. Mais ce n'est pas dans un cercle. Quand ce n'est pas dans le cercle, dedans là, et puis on met le proviseur. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans ce type de cachet qu'on met. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Maintenant, le cinquième élément. Le cinquième élément, ce sont les armoiries. Mais vous avez l'habitude de voir ça. C'est ça qu'on appelle par armoirie, c'est ça là. Les armoiries, c'est ça. Alors, ces armoiries-là, il y a deux éléphants qui se donnent le dos. Le sixième symbole, c'est le chef de l'État. Ça veut dire qu'il se reconnaît en tant que citoyen, premier citoyen, et il est là avec le peuple et dans le peuple. Donc, c'est ça le sixième symbole. Voilà pourquoi vous le voyez dans tous les bureaux, on doit le placer. Vous le voyez dans tous les magasins, on le place. Dans n'importe quel édifice, on doit trouver ce symbole. Est-ce qu'on s'est compris? Voilà donc, j'espère que je vais venir pour moi. Donc, pour vous dire, c'était juste pour vous présenter brièvement ce qu'on appelle par symbole de la République. Continue.
sur le ministère public pour que ce soit voté. On voit que c'est le jeu direct. Alors, en ce moment, le pouvoir, on doit donner ça au jeu. Et ma question, pourquoi on ne traite pas les jeunes, on ne traite que les. Et alors que les jeunes, en prison, des licences, des masters. Et la question sur l'unité du pays. Au Congo, il y a toujours les tribalistes. On a les nordistes et les sudistes. Surtout lorsqu'on part à Baza, on dit Bana, on est basé à Mikalou, on est basé à Bakongo. Parfois, dans l'unité du pays, on ne doit pas avoir ce genre de comportement. Pourquoi il y a le tribalisme dans notre pays alors que les lois interdisent? Ma question est la suivante. J'aimerais savoir le message caché de notre souffle. Deuxièmement, l'artisanat, c'est également le premier pourvoyeur des entreprises. Parce que vous pouvez commencer d'abord par être. Je ne dis pas que c'est vous. Monsieur le conseiller, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, monsieur le proviseur du lycée d'excellence, monsieur le proviseur du lycée Savonant de Braza B, monsieur le directeur du CG Liberté, prenons la parole dans cette salle, le lycée Antoine Dinamba, pour remercier les membres, les conseillers, les membres de l'association ACMN pour sortir de ces enfants certaines zones d'ombre qu'ils n'avaient pas, pour avoir donné à la jeunesse toujours la force de comprendre les choses. Je vous remercie pour votre aimable attention. D'avoir pu avoir une petite conférence avec la jeunesse. La jeunesse est l'avenir, la jeunesse c'est nous. Et on a pu les encadrer. Je suis entourée de personnes de qualité qui ont pu faire une petite conférence avec eux. Et on a constaté que la jeunesse est intelligente, la jeunesse a soif de l'avenir. Ils ont eu des questions assez pertinentes. Ils ont parlé par exemple sur la décentralisation, ils ont parlé sur le rôle des femmes qui ne sont pas mises en avant. Ils ont parlé un peu des problèmes ethniques. On a parlé un peu sur le civisme, du sport et de la santé. Parce que la jeunesse, c'est nous tous. La jeunesse, c'est le sport, c'est être en forme, être bien dans sa tête et être bien en forme pour accompagner son pays là où il est.